slow. Alors chaque fois que vous entendrez ce slow, vous ne pourrez pas faire autrement que de redanser avec la même personne. Ça sera plus fort que vous. Je vais compter un 3, chiffre 3, vous allez ouvrir vos yeux et vous demander ce que vous êtes en train de faire. 1, 2, 3. Vous faisiez quoi là? Bah aussi. Mais c'était mouvant. Hein? C'était mouvant. C'était mouvant. Qu'est-ce que vous faisiez là? On est à Las Vegas. Et à Las Vegas, on peut se marier comme ça. Directement, on peut se marier facilement. Et vous venez me retrouver, c'est moi le prêtre. Vous venez me retrouver deux par deux pour que je vous marie maintenant. Venez me retrouver. Bonjour, quel est votre prénom? Hein? Christophe. Christophe? Samuel. Samuel, est-ce que vous acceptez de vous marier ensemble? Oui. 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 Vous êtes marié, vous pouvez prendre la fille. Deux autres personnes suivantes, s'il vous plaît, quel est votre prénom? Valérie. Mélodie. Mélodie, est-ce que vous acceptez de vous marier ensemble? Oui. Oui. Oui, vous êtes mariés, prenez la file. Voilà, c'est hyper agréable. Vous serez enthousiaste, vous serez incroyablement étonné, surpris et heureux de participer à cette émission. 1, 2, 3, bienvenue à Fort Boyard. Parce que chez Willy, c'est toujours dégueu. Des asticots. Monsieur? Des masses. Des crabes. Des crabes. Des larves. Un œil de poisson. Un œil de poisson. Des vers de terre. Des vers de terre. Eh bien attention, vous avez 30 secondes. Bon, j'ai ce qu'il y a. C'est parti. On y va. C'est vraiment dégueu. On ne vomit pas. Ne vomit pas. Bravo, bravo, vous avez gagné une clé. Et regardez, il y a Passepartout qui est là-bas, vous le voyez? Il fait une comme ça, Passepartout. Est-ce que vous le voyez? Vous lui dites, dites-lui bonjour. Bonjour Passepartout. Voilà. Attention, la deuxième épreuve. Il y a une clé que vous devez trouver, vous avez 30 secondes pour la trouver. Sauf qu'il y a plein de serpents par terre. Il y a des araignées qui vous tombent sur la tête. Ah, zéro, c'est terminé. C'est terminé, qui a la clé? Est-ce que quelqu'un a la clé? Ah, vous avez la clé. Et c'est lui qui a trouvé la clé. Bravo, on l'applaudit bien fort. Donc, il y a Passepartout, regardez bien, vous le voyez là-bas. Passepartout qui fait deux. Salut. Salut. Donc, la boule. C'est gagné. Il a réussi. Vous avez 15 secondes dans la chambre au tigre pour emmener le maximum de voyards. Regardez bien ici. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, c'est terminé. C'est terminé. Oh là là. Parce qu'il va s'afficher le chiffre exact de combien vous avez ramassé de voyards. C'est parti. Ça tourne. Très heureux. Au top. Ah, c'est super. Ouais, c'est super.
C'est super. Chiffre 3, quand vous allez ouvrir vos yeux, vous avez oublié votre prénom, vous ne vous en souviendrez plus. Vous aurez complètement oublié votre prénom. Il aura complètement disparu de votre mémoire, non seulement votre prénom aura disparu, mais le chiffre 6 également aura disparu de votre mémoire. Alors, quel est votre prénom, monsieur? D'accord. Monsieur? D'accord. Votre prénom? Pas. Votre prénom? Prénom? Joie. Bonne question. 3 et 3, ça fait combien? 4. Ouais, c'est ça. Alors, 5 et 1, ça fait combien? 7. Regardez, c'est votre idole. Hein. Vous en revenez pas. Si vous en revenez pas, c'est énorme. C'est toi? C'est qui? Et c'est Mathieu. C'est l'idiot. Hein? C'est Lindion. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Zaki. Je vais compter après, vous allez vous apercevoir que c'est Donald Trump, pas de trois. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais il est plus machin, vrai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un gros nez. Un gros porc. Eh bien, c'est vous, les joueurs de l'équipe de France, et vous venez de gagner la Coupe du Monde. Avec l'arbitre là, et il est en train de dire que c'est pas vous qui avez gagné. Pas violence. Vous êtes sûr? Oui. Évidemment, c'est vous qui avez gagné. Chiffre 3, vous allez vous retrouver à l'âge de 2 ans. Dans une crèche avec plein d'autres enfants. Vite, vous allez retrouver votre maman. Maman. Non, on ne tète pas. Doucement. Maman. Je vais compter à 3, chiffre 3, vous allez ouvrir vos yeux, vous demander ce que vous êtes en train de faire, 1, 2, 3. Et vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Hein? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous, monsieur, vous êtes en train de faire quoi? Regardez sur le jeu. Il a regardé sous la jupe. Le petit polisson. Mais il est fier de lui. C'est possible, hein? Je vous donnerai des techniques si vous voulez. Un enfant endormi en 30 secondes. C'est possible. Oui, monsieur, votre femme aussi. Si vous les rencontrez demain dans le camping, vous mettez la musique.
est pour. Et vous êtes les gendarmes de Saint-Tropez. Et vous me suivez au garde à vous. Vous me suivez au garde à vous, vous mettez derrière moi. Au garde à vous derrière moi. Vous êtes prêts pour cette mission? Oui, chef. En tenue, il faut leur demander de se réveiller. Oui, chef. Vous devez mettre à coucher. Vous vous apercevez. Vous aussi, vous êtes tenus. Vous êtes tenus, vous aussi. Il y a des gens qui volent, regardez. Il y a des gens qui s'envolent dans la salle. Vous les voyez? Ah, il est bizarre. Ah, il est bizarre. Regardez bien parce que finalement ce sont des extraterrestres. Reste là. Parce que je crois que j'ai joué au téléphone avec et j'ai dû écraser des serpents. C'était? C'est drôle. Ouais. De quoi vous vous souvenez? Du jeu là, Fort-Boyard. Fort-Boyard. On a gagné du monde. Attendez, c'était une hallucination. C'était là. Ouais. Alors, ça fait quel effet? Ça fait quel effet? Ah bah, j'ai dansé Michael Jackson. Ouais, oui, c'est vrai, on confirme. Hein. Non. Pas beau lui, hein. Il est encore plus moche en vrai. Hein. Qui s'apprend? Ouais. Ah, allez. Non. Tu te souviens avoir dansé avec quoi? Une chaise. Ouais. On l'applaudit bien fort, bien sûr. Ouais. Voilà. On a un phénomène aussi là. Ouais. Moi, je sais pas, mais vous, je sais pas, mais moi, j'ai adoré quand il dansait Michael Jackson. Est-ce que vous souvenez avoir dansé Michael Jackson? Oui, maintenant. Maintenant, ouais. Mais oui. J'ai jamais dansé comme j'ai dansé ce soir. Sous hypnose, on peut faire des choses qu'on n'a jamais faites, c'est normal. D'accord, on va se revoir bientôt. Ça ne me concerne plus ce qui se passe entre vous après. Et raide. De plus en plus raide. Maintenant. Oui, de plus en plus raide. On reprend. Pose d'abord.